J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Et comme vous le voyez, le temps se maintient. Il fait assez beau quand même. Alors hier, c'était exceptionnel. On a eu un beau temps, mais voilà. D'ailleurs, hier, on en a profité pour faire pas mal de rangements dans la maison. Enfin, dans notre grange. On avait du bazar à vider, mais un truc de dingue. Des choses qui étaient stockées. Du bazar qui avait été laissé par une des locataires de la maison avant qu'on l'achète. Donc voilà, mais des conneries, hein, pas spécialement des trucs, pas forcément des biens, mais des morceaux de bois, des ceci, des cela, des trucs qui prennent de la place et qui t'empêchent de ranger correctement. Donc c'est fait, une bonne chose de faite, on y a passé 3-4 heures quand même, ça nous a bien occupé, mais c'était fait. La prochaine étape, ça sera le grenier. On voulait le faire aujourd'hui, sachant que le grenier, alors, c'est beaucoup de fringues et tout. Alors déjà, ouais, il est plus question de trier et de foutre en l'air les vieux meubles et tout qu'on voulait restaurer. Mais à côté de ça, on s'est aperçu qu'il nous manquait des morceaux, tout machin. Puis on garde au cas où. Puis j'ai dit à tête, c'est bon, au bout d'un moment, quand faut faire du vide, faut faire du vide. Donc voilà, dans le grenier, il est plus question de ça et de désencombrer, sachant que j'ai énormément de trucs à vendre. C'est un truc de dingue. J'ai les fringues de Célestin depuis tout petit. J'ai même les vêtements des filles depuis toute petite. Donc voilà. Mais j'ai la flemme parce que ceux qui vendent sur Vinted savent que ça prend du temps. Ça marche, mais ça prend du temps. Donc voilà. Moi, j'ai la chance de bien vendre. Donc j'ai pas à me plaindre, franchement. Mais ça prend du temps parce que j'ai toujours en plus. Enfin, j'aime bien mettre pas mal de détails et tout. Donc voilà. Bref, donc ouais, je pensais faire le grenier aujourd'hui. Et puis franchement, j'ai un petit peu la flemme quand même. Donc voilà, ce matin, on a bien dormi. Moi, je suis un petit peu plus reposée quand même. Même si j'ai pas encore une tête nickel. Hein, enfin voilà. Pas maquillée, rien. Donc là, au naturel, mais c'est pas encore ça qu'est ça. Mais c'est mieux. Le traitement fonctionne bien. Donc voilà, je souffle un petit peu plus. Voilà, quoi d'autre, Tévidi va bien, tout le monde va bien. Maëlou, elle est un petit peu fatiguée aujourd'hui, donc je sais pas, hier soir j'avais l'impression qu'elle faisait un petit peu de fièvre, donc on va surveiller aujourd'hui. Ah oui, sinon, grande nouvelle, mais oui, ah là là, ça s'est passé hier, je vais vous mettre la petite vidéo juste derrière, mais Célestin marche, ça y est, donc ça voilà, ça c'est énorme, donc notre petit loulou, 14 mois, ça y est, alors je précise 14 mois, parce que voilà, c'est un petit bébé préma, qui est né avec un mois et demi d'avance, donc on dit toujours dans ces cas-là, ça fait un mois et demi de retard sur tout. Après, qu'importe, hein, 14 mois, c'est 14 mois, c'est pas dramatique. Donc voilà. Donc chouchou marche, donc on va vous montrer dans la journée. Là, je vais vous montrer déjà, je vais vous inclure juste derrière la petite vidéo qu'on a faite hier, parce qu'il a fait, c'est vrai. Alors quand je dis marche, voilà, hein, là ça y est, c'est la vraie marche, c'est voilà. Parce que jusqu'alors, il s'est lancé, il faisait 2-3 pas par-ci, par-là. Là, ça y est, il fait. Il fait quelques mètres tout seul, donc franchement, voilà. Ça y est, choubidou marche. Donc je vais vous mettre ça. Oh! Ah, mais non! Célestin! Célestin! Regarde maman! Salut la maman! Non, il y a Kaizan qui est parti, je crois. Oh! 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 C'est bien! Oh, me dis! Trop facile! Oh là là là! Mais je crois que ça y est, hein. Bravo! Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est trop génial! Ouais, d'accord. Bon, c'est bien. Voilà, c'est normal. C'est bien. Quoi d'autre aujourd'hui au programme, je sais pas trop en fait. Je pense qu'on va aller faire une balade quand même pour se vider un petit peu la tête parce qu'à force de faire le rangement, les ceci, les cela, voilà. Donc on va aller faire une petite balade avec les loulous. Les ados, j'en sais rien, hein, parce que les ados, voilà, hein, faut que ça leur plaise. Ils préféraient sur leur connexion internet qu'avec nous. On va voir ça. Mais ouais, je pense qu'on va se faire une petite balade cet après-midi, tranquillement. Et puis voilà, de toute façon je vous montrerai tout ça. Donc là on va pas tarder à aller manger. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, 15h10, on a fini de manger assez tard. On va faire la petite balade. Le choubidou est prêt. Avec le manteau, c'est un petit vent. Il fait bon, mais il y a un petit vent. Et les filles prennent du coup la trottinette. Et Manoutea prend son vélo. Ah, elle arrive. Et oui, c'est parti. Allez, on va faire juste une petite balade histoire de prendre l'air. On s'est couvert, mais il fait grand beau, mais un petit vent quand même. Hein.
Ah, les filles, hein, on va quand même se courir. Hein. On va y aller. Choubidou est parti. Bon, on va prendre la poussette, hein, parce que même s'il marche, hein, on va pas l'attendre non plus. Mais il est prêt à partir. On va pas tarder. On va faire une sorte de faire un petit 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis comme ça, on rentre pour le goûter après. Pour se poser. Et voilà. Et là, je viens de m'apercevoir que Gizmo le bouc s'est échappé et est en liberté. Alors, ah oui, encore. Alors, du coup, bah, je vais les rattraper. Et bah, on y va juste derrière pendant qu'Ophélie finit de se préparer. Allez, à plus tard. C'est pas stable, hein. Allez. Te tiens. Maman, elle te tient. Tu fais quoi? T'es bloqué. Allez, il est 18h. On a fait une belle halte chez Papy Robert pour le goûter. On s'est posé 1h30, voilà. Finalement, les garçons nous ont rejoints. Donc, il y a Paulino derrière et Luca de l'autre côté. Donc, voilà. On est tous ensemble, là. Les 8 sont là. Donc, voilà, comme ça. Hein, comme ça, Robert, il a vu que tu marchais, mon chouchou. Ils sont cuits. Aga, aga. Hein, ils sont cuits. Oui. Ils sont tous cuits. Ils sont tous fatigués. Hein? Tu lui as dit quoi? Il a une tête de troll, quoi. Moi, j'aurais pas apprécié. Hein. Allez, Zou. Du coup, là, on rentre à la maison. Ouais, il est 18h, donc on va se poser un petit peu. Enfin, non, on va rentrer les bêtes. Parce que la petite chevrette, la petite chevrette, faut pas la laisser trop dehors non plus, qu'elle prenne pas froid. Ouais, donner à manger aux bêtes. Préparer à manger pour nous. Je sais même pas ce qu'on mange ce soir. On est motivés. Ouais, bon, on verra. On verra, on verra. Donc il faut sérieusement qu'on reprenne nos menus. Mais on n'arrête pas de le dire, mais on n'arrête pas de pas le faire non plus. On n'est pas organisé en ce moment. En ce moment, on n'est pas organisé. Donc voilà, on vit un petit peu au jour le jour. Voilà, et puis je sais pas. De toute façon, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, il est 19h30, je crois. Ouais, 25h30, je sais plus. Finalement, voilà, alors on est rentré, on a rangé tout notre petit bazar, on s'est occupé du linge, on a plié du linge, enfin voilà. On a rentré les bêtes et finalement, arrive à ce qui devait arriver. Vous reconnaissez peut-être au bruit. Teddy est en train de faire des crêpes. On mange souvent des crêpes ici quand même. Voilà. On est souvent pas inspiré. Voilà.
parce que ça fait un petit moment qu'on fait plus nos menus et que c'est pas bien. Donc c'est un petit peu, enfin on peut pas dire que c'est la facilité parce que bon voilà. C'est la facilité, c'est mon choix. On a toujours pas essayé les crêpes à l'eau. Oui, là j'ai fait moitié les moitié où. Non mais là, faut qu'on essaye entièrement à l'eau. Oui, mais là j'ai fait déjà moitié les moitié. Ouais, là t'as fait moitié les moitié où. Ouais, c'est déjà pas, ça déjà un pas. Hein. Non, ils sont plus rien. Bah, ils sont plus légères, légères du coup. Non mais c'est top. Ils sont bien jaunes, donc c'est voilà. Le petit choubidou est déjà a déjà pris sa petite douche et en pyjama. C'est quoi le truc que t'as fait traîner par terre là? Tu fais quoi? Je vais la manger pour qu'il se couche de oui, parce que du coup il est fatigué après la balade où il a marché un petit peu pendant la balade. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi je fais ma vie. Maintenant qu'il marche, hein? On l'arrête plus. Hein? Maintenant que tu marches, on t'arrête plus. Tu fais quoi? Oui. Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait des bêtises pendant que maman elle était à la machine à laver, j'ai entendu. Ça, c'est le faux portable de tes sœurs. T'as vu? Le faux portable de tes sœurs? Hein? Parce que tes sœurs, elles s'amusent à se fabriquer un portable avec un rouleau de papier toilette plié en deux. Tu dis Manoutia, son portable? Oui! Regarde, on montre le portable de Manoutia? Est-ce qu'on montre? Voilà, le portable de Manoutia. Vous voyez, il y a tous les petits symboles, l'eau, batterie, tout, voilà. Puis là, c'est la coque. C'est stylé, hein? Hein? Elles ont de la suite dans les idées, tes sœurs? Oui? J'ai montré ton téléphone portable. Ton téléphone portable avec le rouleau de papier toilette. T'as ton portable. Eh. Hein? Jamais de la vie, hein? Allez, du coup, ma papa a fait ça. Moi, je vais finir. Ouais, 2 litres. Ouais. Moi, je vais finir de faire le linge et puis après, on va se poser pour savourer tout ça. Du coup, je vais arrêter le vlog là. Comme ça, ça va me permettre de le monter entre deux. De le monter entre deux. Je bafouille ce soir. Puis je crois qu'on va pas être tardif. Enfin, je crois. Ce serait bien. Tu reprends demain ou tu fais un vlog sur 2 jours ou juste aujourd'hui? Je sais pas. Demain. Alors, demain. Demain, on attaque le carrelage de l'entrée. Donc je pense pas que je vais vlogger parce que de toute façon j'ai pas grand chose à vous montrer donc on est dans ce non ça sert à rien demain parce qu'il y a pas grand chose à montrer. On vous montrera le résultat dans un vlog mardi ou mercredi mais non demain je vlog pas donc voilà je vais monter celui-là puis comme ça vous l'aurez demain ou après-demain au pied des cas sur YouTube. Donc sur ce donc je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plus en attendant, voilà, grand jour, notre choubidou marche, ça y est, choubi, voilà, tu fais du 4 pattes, hein. Tu veux pas te mettre debout, hein? Je peux pas finir debout et c'est ça? Oui, sur la note de fin, tu montres, que t'es un grand, wouhou, c'est un, viens tu voir maman, pas chasser, non, tu vas pas dans le lave-vaisselle, non, dis. On va prendre l'agence de danger avec nous. Pas chasser. C'est ça. Des seins. Oh. Viens-tu voir maman. Tu mets où? Viens. Viens voir maman. Non. Non, c'est sale. Bleh. On n'est pas quitte. On voulait qu'il marche. Voilà, maintenant il va pas arrêter de faire des bêtises. Donc voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut.